Alors, bonjour François. Le CS Saint-Hubert a officiellement fait son entrée en Ligue tard pendant la saison. Est-ce que ceci vous a handicapé là, dans votre recrutement? On s'adapte à une situation qui effectivement nous a permis d'entrer dans cette Ligue le plus assez tardivement. Donc, on s'adapte à cette situation et là-dedans, forcément, on est un peu moins en avance que certains autres clubs, apparemment, si ce que je crois est bon. Maintenant, on va s'en sortir. On a eu beaucoup de joueurs qui ont transmis leur fiche de candidature et qui sont très intéressés pour venir dans notre équipe également. Donc, on est dans un processus de recrutement actuellement qui n'est pas tout à fait fini. Mais on sera compétitif en temps et en heure. Tu connais bien la Ligue pour l'avoir suivi depuis quelques années. Penses-tu avoir un groupe de joueurs qui va être compétitif de saison inaugurale? Et quel type de jeu tu voudrais mettre en place? Alors, des joueurs compétitifs, oui, on va en avoir. Je suis donc dans ce processus de recrutement, comme je le disais précédemment. Et on aura l'occasion de faire de notre mieux. On n'a certainement pas sur le papier les grands noms des joueurs expérimentés qui parcourent la Ligue depuis quelques années et que certains clubs ont pour l'instant au sein de leur effectif. Mais on a des jeunes ambitieux, on a des gens qui sont revanchards sur telle et telle aventure et donc ils sont motivés. Et nous, ça nous intéresse d'avoir ce type de personnes-là et de personnalités-là dans notre effectif. Quel type de jeu? Je prévois de recruter des joueurs de la meilleure qualité technique possible et aussi avec la meilleure mentalité possible. Donc là-dedans, il y aura beaucoup de générosité dans notre jeu, du moins c'est ce qu'on recherche, et il y aura une envie de construire quelque chose d'intéressant en termes de jeu de soccer, de jeu de football. Et tes objectifs pour 2017? L'objectif pour 2017 premièrement, de terminer à la meilleure place possible, tout en sachant qu'on sait que la concurrence sera très très relevée et que le niveau de la Première Ligue Soccer a augmenté depuis 2-3 années. Donc finir à la meilleure place possible est le premier objectif. Et on veut réaliser cet objectif-là en incorporant le plus de jeunes joueurs possible dans notre effectif. Nous n'avons pas forcément les moyens de recruter, comme je le disais, de grands noms et des joueurs expérimentés de Première Ligue Soccer, mais nous avons l'ambition de faire jouer du mieux possible des jeunes joueurs, certains issus de notre club, pour performer du mieux possible. Merci.